des rendez-vous au privé mis en vitrine sur Clic Santé. Depuis quelques mois, la plateforme de rendez-vous donne une place plus appréciable aux services payants. La situation est dénoncée par plusieurs. C'est comme si on était pour le public officiellement, mais dans les faits, en tout cas ce site-là, nous encourage à aller au privé et ça, ça marche pas. La question a aussi été soulevée à l'Assemblée nationale. Une chose de nous dire que c'est une possibilité d'aller vers la clinique privée, c'est une chose de ne pas nous dire que ce l'est puis qu'on va devoir payer une fois sur place. Ce qu'on leur offre au public n'a pas de sens, c'est trop loin, mais on leur donne, par exemple, toutes sortes d'options presque en face de la maison au privé cette fois-ci. Ça ne devrait pas être le cas. L'État ne devrait pas pousser les gens vers le privé. Et toujours concernant le privé en santé, l'association représentant les agences de placement critique les effets de la loi qui est censée restreindre leur utilisation. Le Centre de santé et de services sociaux de la Baie James aura recours à des contrats de gré à gré pour ses services de soins infirmiers, apprend-on sur la plateforme de contrats publics CEAO. L'association représentant les agences de placement, elle, déplore le recours à ce type de contrat. On est prêt à parler avec le gouvernement, on tend la main, on est conscient des besoins du gouvernement, des objectifs du gouvernement, mais on est conscient aussi que le réseau de la santé publique a besoin de nos entreprises. Mais quand c'est fait de cette façon-là, bien, on se retrouve avec un système qui est opaque et ce ne sont pas les meilleures pratiques qui sont mises de l'avant. Il y a une multitude d'agences de placement. Normalement, le gré à gré devrait être utilisé seulement en dernier recours. Ce n'est pas le cas avec les agences de placement. Québec souligne travailler sur sa plateforme « Ma santé » pour avoir un endroit centralisé et public pour la prise de rendez-vous. En attendant, Clic Santé indique lorsqu'il y a des frais pour certains rendez-vous. Catherine Bouchard, TVA Nouvelles, Montréal.